Seigneur, je veux vraiment te bénir, je veux vraiment t'exalter et te rendre gloire. Seigneur, tu as dit ta parole, le ciel, la terre et toute sa convoitise passera. Mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, ce soir, nous voulons nous attendre à ta parole. Nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir dans ta présence, non avec un cœur dur, mais avec un cœur ouvert. Seigneur, je te demande que là où il y avait un cœur dur, que maintenant ta parole devienne comme un marteau, fracassant pour toucher les cœurs. Et que Seigneur, là où ta parole, là où les cœurs sont ouverts, que ta parole devienne du miel, comme du miel qui vient remplir ce cœur et bouleverser ce cœur de ta douceur, de ta grâce. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, nous voulons vraiment t'exalter parce que tu es Dieu et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Et nous allons commencer vers le verset 31, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Matthieu 25, verset 31. La Bible nous dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume de Dieu qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez recueilli. Nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et quand avons-nous recueilli? Nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Il leur répondra en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. C'est un verset qui est très remarquable, parce que dans ce verset, le Seigneur veut nous révéler quelque chose. Regardez ce qu'il nous dira dans les versets 9. Non, dans le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Vous savez, quand le Seigneur Jésus nous donne cette parole, il veut nous révéler un mystère qui peut bouleverser ta vie. J'aimerais vous dire que l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme,
mais qu'au début, l'enfer a été préparé pour Satan et pour les anges déchus. Amen. Parce qu'il n'avait pas, il n'avait pas d'excuse au ciel. Il voyait la gloire de Dieu, et malgré qu'il voyait cette gloire, ils ont décidé de déshonorer la gloire de Dieu et d'accepter la gloire de Satan. Cette gloire a fait d'eux des anges déchus qu'on appelle aujourd'hui les démons. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que à cause qu'ils ont été déchus de leur sacerdoce, au lieu qu'ils sont des bons anges avec des bonnes mentalités, des bonnes résolutions, la Bible nous dit qu'ils sont devenus des esprits méchants, des esprits malins, des esprits impurs qui sont là pour détruire l'humanité. Et Jésus nous montre que l'influence de Satan et de ses anges peut être terrible sur la vie de l'homme, parce que si l'homme ou la femme est soumis aux influences démoniaques, au lieu d'aller au paradis, il va aller tout droit en enfer, l'endroit de jugement qui est réservé pour Satan et pour ses anges. Amen. Alors, nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce qui peut nous faire déchoir le ciel? Des choses toutes simples, dans lesquelles Jésus veut nous interpeller. Regardez ce qu'il nous dira. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils leur répondirent, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors ils leur répondront, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Vous savez, dans nos sociétés actuelles, où nous avons tout pour être heureux, nous pouvons voir que l'influence de Satan et de ses anges est terrible dans la mentalité des gens. L'indifférence, le mépris face à ceux peut-être qui n'ont rien, qui n'ont pas de quoi s'habiller, qui n'ont pas des fois de quoi manger. Il y a une dureté qui s'installe dans le cœur des hommes. Et des fois on dit, ah mais c'est normal, on a tellement profité de nous que c'est normal que maintenant on ne peut plus aider. J'aimerais vous dire que chaque fois qu'une personne est en train de penser de cette manière, derrière cette pensée, il y a une influence démoniaque qui est là pour vous détruire et pour vous éviter d'aller au ciel. Amen. Et cette dureté va être un combat jusqu'à la fin de ta vie. D'autres vont dire, voilà, j'ai tellement souffert que maintenant, chacun pour soi, je vais me débrouiller moi-même et je n'aide plus les autres. Parce que la souffrance l'a amené dans une dureté. Mais derrière cette dureté, j'aimerais te dire qu'il y a une influence démoniaque qui est là pour détruire la personne et l'empêcher d'aller au ciel. Amen. Quand on regarde ce verset et quand on écoute ce que le Seigneur dira, d'abord on dira, d'accord, il y en a des bons à droite, des mauvais à gauche. Alors nous avons vite fait de savoir qui va à droite, qui va à gauche. Tous ceux qu'on croit bons, ils vont à droite. Tous les autres, ceux qu'on n'aime pas trop, ils vont à gauche. On fait nous-mêmes notre schéma. Et la Bible nous dit que certains, ils les appellent les brebis et les autres, ils les appellent les boucs. Alors celui que tu ne t'entends pas bien avec une personne, tu vas dire, ça c'est un bouc, moi je suis une brebis. Je suis une pauvre petite brebis qui a souffert. On m'a fait tellement de mal. On m'a tellement martelé. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas comme ça que Jésus regarde si tu es un bouc ou si tu es une brebis. Est-ce que vous y êtes? La Bible nous dit, le roi va s'asseoir sur son trône. Et la Bible nous dit que le jour dernier, il va rétribuer chacun selon ses œuvres. Oui, le salut nous a été donné gratuitement. Oui, la grâce de Dieu nous a été donnée gratuitement.
Mais pour que cette grâce perdure, nous devons être alimentés par la pensée du Saint-Esprit et non par la pensée des démons et la pensée du diable. Amen. Si nous avons reçu le salut, mais que notre nature ne change pas, notre pensée n'est pas renouvelée par la dimension du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire que même si on a accepté Jésus, par notre comportement, on se ferme nous-mêmes l'entrée pour le ciel parce qu'on est passé à côté de ce que Dieu voulait. Amen. J'aimerais vous dire que souvent, le Saint-Esprit vous donne des fardeaux. Souvent, le Saint-Esprit vous donne des pensées, des choses claires, précises. Il y a des moments où vous faites quelque chose et tout d'un coup, le Saint-Esprit dit non. Maintenant, soit tu peux prier pour cette personne, ou soit maintenant tu peux faire tel et tel bien à telle et telle personne. Ça nous arrive souvent. Mais des fois, on est pris par le temps, on est pris par toutes nos activités, et au lieu de faire les choses que Dieu nous a demandées à l'instant même, nous oublions, nous laissons ça de côté, et tout d'un coup, il y a une tristesse qui vient dans ta vie. Amen. Cette tristesse, c'est quoi? C'est Dieu t'a donné un fardeau, et tu n'as pas supporté le joug que Dieu t'a donné. Est-ce que vous saisissez? Dieu est là pour vous donner des fardeaux. Dieu est là pour vous donner des jougs. Il a dit, mon joug est doux, agréable et léger, et il fera du bien à ton âme. Il y a des situations, mon frère, ma soeur, dans lesquelles nous nous trouvons des fois tellement dans le désespoir, tellement dans le découragement, tellement dans une position de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où Dieu t'a donné un fardeau et tu n'as pas su écouter. Et à cause de la désobéissance, cela a amené un autre fardeau qui est terrible et qui t'amène dans un trou. Amen. La Bible ne nous dit pas que le croyant ne passera pas par des fois des moments difficiles ou des situations difficiles. Mais la Bible nous dit que si pendant que Dieu nous donne un fardeau, nous sommes obéissants, toutes les situations difficiles, nous allons les passer avec un cœur léger et avec une joie dans notre cœur. Amen. La principale cause de la tristesse, c'est la désobéissance. La principale cause de l'obéissance, c'est la joie. La Bible nous dit que Dieu a dit dans la parole que la joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire ta force. C'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Mais comment cette joie peut venir se manifester? Comment cette joie peut venir perdurer dans ta vie? En obéissant à ce que Dieu dit et chaque fois qu'il te met un fardeau, à faire ce qu'il te demande. Amen. Vous savez, souvent nous marchons dans la rue, nous voyons des hommes, des femmes, des fois qui viennent mendier. La Bible nous demande de ne pas nous détourner de celui qui vient demander. Et notre société nous a appris que voilà, quand une personne vient te demander, c'est un profiteur. Rejette-le. C'est ce que beaucoup de gens font. Je vois beaucoup de mendiants être méprisés et rejetés. Mais si la personne qui rejette se trouve elle-même demain dans cette position, comment elle va réagir? Si toi, on te rejette aussi. Amen. Alors toi, tu vas me dire, oui, mais ces gens-là sont des fainéants. Peu importe, si dans leur cœur, ils ont une mauvaise attitude. Toi, tu ne regardes pas ce qu'il y a dans leur cœur, mais toi, tu fais ce que Dieu demande. Amen. Si eux, ils ont une attitude mauvaise dans leur cœur, toi, en donnant quelque chose, leur conscience va être travaillée et le Saint-Esprit va dire, tu vois, lui, cette personne, était correcte avec toi et toi, tu avais une attitude mauvaise. Cette personne va dans la conversion parce que toi, tu obéis à Dieu. Amen. N'essaye pas de vouloir savoir. Alors bien sûr, je ne vais pas te dire de donner des billets de 100 euros à chaque personne que tu vois dans la rue, c'est pas ça que je te dis. Des fois, un petit geste, avoir quelques petites pièces
ou quelque chose à manger pour pouvoir lui offrir. Un petit geste qui peut amener cette personne à être bouleversée et à connaître Dieu. Amen. Imaginez, c'est Jésus qui se déguise en clochard et qui passe à côté de toi juste pour voir qu'est-ce que tu fais et qui te dit « J'ai faim, est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi ?» Si tu saurais que c'est Jésus, tu lui donnerais. Mais vu que tu ne connais pas cet homme, tu dis « Ah, celui-là, il va encore m'arnaquer, il va encore jeter ce que je vais lui donner. » Et tu durcis ton cœur. Amen. Quand on durcit son cœur, le durcissement du cœur fait partie d'une influence démoniaque qui va venir bouleverser ta vie. Amen. L'influence démoniaque t'amène dans une position de tristesse. Et malheureusement, si tu perdures dans cette position, cette tristesse peut te faire perdre ton salut et aller de l'autre côté, ce qu'on appelle l'enfer. Jésus l'a dit, et il a dit, ce lieu n'est pas réservé pour l'homme. Ce lieu est réservé pour Satan et pour ses anges. Mais parce que l'homme décide d'écouter la voix de la méchanceté, l'homme peut passer à côté de son salut. Amen. Alors il est important vraiment d'être rempli du Saint-Esprit. Vraiment, j'aimerais vous encourager dans vos maisons à chanter et louer Dieu pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors maintenant passez un temps de communion avec le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il veut que vous fassiez dans la journée. Amen. Oui, nous avons tous nos préoccupations, nous avons tous nos occupations. Mais dans cette journée, il y a des fardeaux que Dieu va poser sur ton cœur. Et cela, tu dois l'accomplir. Amen. C'est ça ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu. Souvent, les gens me disent « Ah, moi, je vais faire la volonté de Dieu. » La volonté de Dieu, c'est de partir là, c'est de partir là. Mais la vraie volonté de Dieu, c'est de répondre aux fardeaux qu'il met sur ton cœur. Amen. La vraie volonté de Dieu, c'est que quand Dieu va te donner un fardeau, c'est que tu vas dire « Seigneur, je vais maintenant t'obéir et je vais mettre en pratique ce que tu me demandes. » Si tu fais ça, ça c'est amplement, ça c'est, ça c'est bien ce que tu fais dans ta vie parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Si nous commençons à comprendre ces mystères, et que nous savons que derrière toutes sortes de méchancetés, derrière toutes sortes de mépris, se cache une influence démoniaque qui est là pour te faire louper ton salut, j'aimerais te dire que tu vas changer de dimension de pensée et tu vas t'armer de la pensée de Christ. Amen. Et je suis des fois stupéfait, surtout dans les temps actuels que nous sommes en train de vivre. Nous voyons qu'il y a des migrants qui viennent d'un peu partout au sein même de notre nation. Et des fois même quand j'entends les croyants ou les non-croyants, je suis étonné des fois du langage que je peux entendre. Une telle dureté à l'égard des personnes qui viennent demander peut-être asile, ou qui viennent des fois demander l'aumône, ou qui viennent des fois demander simplement à manger, ou à avoir une vie aussi décente que toi. Et je vois qu'une pensée qui est inspirée des fois de Satan vient amener une telle dureté dans le cœur qu'il y a de la méchanceté derrière. Amen. J'aimerais vous parler de ça pour que nous puissions comprendre et saisir. Alors c'est vrai qu'une seule personne ne peut pas changer tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde, même si on en aurait l'envie ou la capacité. Pourquoi ? Parce que nous sommes limités. Mais si chacun d'entre nous va commencer à pouvoir aider là où il peut, alors le monde pourra être changé. Amen. Et le monde verra qu'il y a un langage, qu'il y a des hommes, des femmes qui ont un langage et une attitude qui n'a rien à voir avec les gens du monde. Amen. Dans ces temps que nous sommes en train de vivre, l'Église devrait montrer un autre visage que le monde, un autre discours que le monde, parce que nous savons que nos paroles ne doivent pas être inspirées par nos propres pensées, mais nos paroles doivent être inspirées par le Saint-Esprit. Amen.
si nos paroles ne sont pas inspirées du Saint-Esprit, nos propres paroles peuvent nous condamner et nos propres paroles peuvent nous amener en enfer. La Bible nous le dit dans le livre de Deutéronome, par le pouvoir de ta langue, tu as la vie, par le pouvoir de ta langue, tu as la mort. Par ta bouche, tu seras soit justifié, soit condamné. Amen. Et c'est à nous maintenant de devenir garants, de regarder, d'analyser quelle est l'atmosphère de mon cœur, quelle est l'atmosphère de mes pensées, quelle est l'atmosphère de mes paroles, et en les mettant à la lumière de la parole de Dieu, alors tu sauras si tu marches vraiment dans la vérité ou si ta vérité n'est pas vraiment complète, mais que tu es plus dans le mensonge. Amen. Jésus a voulu nous interpeller. Et vous savez, quand il nous parlera de ça, il nous parlera de quelque chose de spécial. Il nous montrera, voilà comment Dieu va juger. Voilà comment Jésus va juger. Il a dit, ce sera à moi la vengeance, et c'est à moi la rétribution. Alors souvent, on voit le beau petit Jésus, ah, mais Jésus, il va aimer tout le monde, oh, il va pardonner tout le monde. On nous le montre tellement comme un Dieu, tu peux faire tout et n'importe quoi avec lui, et il va encore t'accueillir les bras ouverts, il va te dire, ah, oh, c'est bien, t'inquiète pas, même si tu as fait des bêtises. C'est pas ce Jésus qu'on nous présente dans la Bible. Amen. Il va déjà faire un tri. Certains à droite, d'autres à gauche. Des brebis et des boucs. Et après, il leur parlera une parole claire. À ceux qui sont à droite, il dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Et pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez marché, vous avez essayé de marcher dans la dimension de mon esprit. Amen. Et à ceux qui sont à sa gauche, il dit, retirez-vous de moi, maudit. Il dit, maudit. Allez dans le feu de la géhenne, dans l'enfer éternel, qui est réservé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi? Parce que votre pensée, parce que votre action n'était pas au diapason de mon esprit sur la terre. C'est terrible. Si on décide d'accepter Jésus, si on décide de marcher avec Jésus, c'est pas simplement pour dire, voilà, on accepte Jésus, c'est bon, maintenant je suis sauvé, je vis ma vie comme j'en ai envie, et le reste je m'en fous. Ça c'est une erreur monumentale. Si tu penses comme ça, il aurait mieux fallu pour toi ne jamais accepter, ne jamais connaître, ne jamais même accepter Jésus, parce que c'est terrible. Amen. Mais si tu as accepté Jésus, alors Dieu t'appelle maintenant à marcher dans ses voies. Et à être non seulement rempli du Saint-Esprit, mais être armé de la pensée de Christ dans toutes tes attitudes dans ta vie. Alors des fois on va y arriver, des fois on ne va pas y arriver. Amen. Mais Dieu va regarder si dans ton cœur, tu essaies au moins de faire l'effort pour être armé de la pensée de Dieu. Amen. Il y a certains raisonnements, certaines pensées que tu dois éradiquer de ta vie. Amen. Certains pensées, certains raisonnements que tu dois éradiquer de ta vie. Même si tu croyais que cela était juste, même si tu croyais que cela était bon, je vais te dire, derrière ces certaines pensées, derrière certaines attitudes, il y a une pensée démoniaque qui est là pour t'éloigner de Dieu et pour t'amener en enfer. Amen. Il ne peut pas t'enlever Jésus. Il ne peut pas t'enlever la connaissance du salut. La connaissance du mystère que Jésus a donné sa vie pour ton sein, il ne peut pas te l'enlever. Mais par contre, ce qu'il peut faire, il peut venir t'influencer dans une pensée démoniaque, dans un raisonnement démoniaque qui, sans savoir, va t'amener à pécher et va t'éloigner de Dieu. C'est ça qu'on appelle le diable vient pour séduire. Amen. Le diable vient pour essayer de séduire qui il veut. La Bible nous dit même les élus, il veut essayer de séduire. Il vient te faire prendre parti à toutes les choses qui se passent.
toutes les grèves, toutes les manifestations, toutes les choses qui se passent, tu dis, ah, je fais des bonnes causes, je fais des bonnes causes, je fais des bonnes causes. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Amen. Dieu nous appelle à prier, à veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Ne nous laissons pas emporter à tout vent de ce monde. Peu importe ce que les autres font, nous, ce que nous faisons ce que la Bible nous dit. Combien de fois on m'a demandé de prendre parti pour ceci, de prendre parti pour cela. J'ai dit, moi, je prends parti de ce que Dieu me dit. Et pas de, et le reste, ça ne me regarde pas. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Amen. Même si nous sommes dans ce monde, même si en tant qu'humain, il y a des choses qu'on dit, non, ça devrait être comme ça, ça devrait être comme ça. J'aimerais vous dire, nous avons dans la prière à dire, Seigneur, dans cette position que je ne comprends pas, donne-moi ta pensée et montre-moi ce que je dois faire pour agir comme toi tu veux et non être influencé par ce que le monde dit. Parce que le monde dit, faut aller maintenant dans la rue, faut faire ceci, faut faire cela, les gens, ils suivent comme des moutons. Amen. Comme des moutons qui vont dans une boucherie. Et derrière tous ces, des fois, des belles paroles, il y a des esprits de haine qui commencent à être lancés. Il y a des esprits de vengeance qui commencent à être lancés. Il y a toutes sortes d'injustices qui commencent à remplir le cœur de l'homme. Et bon nombre de croyants, nés de nouveau, se laissent séduire par toutes ces choses, suivent toutes ces choses, et au bout d'un moment, leur cœur devient dur. Parce qu'il y a une influence, une pensée démoniaque qui est derrière et qui les amène tout droit en enfer. Le diable est malin. Amen. Le diable sait comment il fait. Mais le problème, c'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que connaisseurs de la vérité, de savoir discerner et de savoir nous mettre dans la position que Dieu veut pour que nous puissions vaincre là où nous allons. Amen. Changeons nos mentalités. On nous a moulés dans tellement de mentalités, dans tellement de raisonnements, qu'on ne sait même plus comment faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Amen. Amen. Oui, oui. Souvent, on se pose des questions. Mais pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de ceci? Pourquoi tant cela? J'aimerais vous le dire, la guerre est simplement un processus qui suit seulement, qui est poursuivi par un esprit vengeur derrière, et cette guerre ne s'arrête pas. Une année, c'est cette nation qui gagne. Mais les descendants de cette nation vont se lever 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, pour faire la guerre à la même nation. La guerre va peut-être se passer d'une manière différente, d'une manière nouvelle. Mais la Bible nous parle dans le livre de Deutéronome que chaque fois qu'il y a du sang qui coule, il y a le vengeur de sang qui vient. Et une nouvelle génération vient pour venger le sang qui a coulé. Et cela, ça continue et ça continue. Et vous savez, la pire des choses, c'est qu'au début, ça part toujours pour des bonnes causes. La guerre part toujours pour une bonne cause. L'être humain n'est pas d'accord avec ça, il sait qu'il est persuadé que ça c'est bon, et à cause qu'il croit que ça c'est bon, ça l'amène à une guerre, ça l'amène à une domination d'une autre nation, et la guerre continue. Amen. On nous a parlé qu'il y a eu des croisades, des guerres, entre des hommes qui prétendaient suivre Dieu. Même des gens qui à l'époque étaient pourtant des nouveaux. Le mouvement protestant, le temps de la réforme, avait eu un impact terrible. La gloire de Dieu était descendue. Et ces mêmes hommes, ces mêmes femmes qui avaient été touchées par Dieu puissamment, armées par un désir de justice, de montrer aux hommes la vérité, ont fait la guerre et ont même tué. Alors on dit, ah, mais ces gens, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. C'est pas vrai. Ils connaissaient Dieu. Mais ils avaient oublié quelle était la pensée du Saint-Esprit et ils ont commencé à marcher dans leur justice, dans ce qu'ils croyaient bon. Et la Bible nous dit que l'issue, des fois, peut en être fatale.
Au lieu d'aller au paradis comme on le souhaiterait, on peut aller tout droit en enfer. Tout en ayant connu Dieu, en ayant connu sa présence, mais en reniant ce qui en faisait la puissance. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit que le chemin est étroit et resserré et que peu le trouvent. Peut-être ça peut nous choquer. Mais oui, peu le trouvent. Pourquoi? Parce qu'on croit que simplement, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit à l'église. On a eu des frissons de partout. C'est pas parce que tu as fait, c'est pas parce que tu as expérimenté ça que tout ce que tu vas faire dans ta vie est conduit par Dieu. Amen. Amen. Il y a une histoire cette semaine que j'ai entendue qui a peut-être rien à voir avec ça, mais que j'ai entendue qui m'a fait rire. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vrai cette histoire, et je vais vous la raconter, et après je vais vous dire pourquoi je vous raconte une histoire comme ça alors que je prêche. C'est un policier qui arrête une personne et qui lui dit, vous avec votre haleine, vous devez avoir beaucoup d'alcool dans le sang, je vais vous faire un alcotest. Et cette personne lui dit, attendez, avant de me faire l'alcotest, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Et il ouvre son réservoir et il dit au policier, monsieur le policier, venez sentez ici. Le policier il sent. Il dit, et alors? Alors le policier lui dit, et alors quoi? Il dit, mais vous avez senti? Il dit, oui, et alors? Il dit, mais alors ressentez encore. Et il ressent encore. Le policier dit, mais alors quoi? Alors cet homme lui dit, mais vous sentez quoi? Et il dit, mais ça sent l'essence. Alors vous savez ce que l'homme lui dit? Il dit, c'est pas parce que ça sent l'essence que ça veut dire que je plains. Après, il l'avait interpellé parce qu'il sentait l'alcool. Il lui a dit, c'est pas parce que j'ai l'essence, ça sent l'essence, que ça veut dire que je plains. C'est pas parce que dire que je sens un peu l'alcool, que ça veut dire que je suis bourré ou je suis rempli d'alcool. Et quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, c'est pas parce que certaines personnes sentent la présence de Dieu, même dans l'église, que ça veut dire qu'ils sont remplis de ma présence. Amen. On peut sentir la présence de Dieu et ne pas en être rempli. On est peut-être un petit peu, il y a un petit peu de présence de Dieu qui est rentrée chez nous, et ça y est, on croit que toutes nos actions sont bénies. Tout ce que vous faites, la Bible nous dit, faites-le avec action de grâce. Est-ce que tu crois qu'en médisant, est-ce que tu crois qu'en critiquant, est-ce que tu crois qu'en rejetant une personne qui s'approche de toi, tu peux faire cela avec action de grâce? Impossible. Est-ce que tu crois qu'en dénigrant une personne ou une nationalité, quelle qu'elle soit, tu peux faire ça avec action de grâce? Ben, essayez! Tout ce que vous faites dans vos maisons, tout ce que peut-être vous dites, et quand je vous le dis aussi à moi-même, essayez de faire cela avec une action de grâce. Amen. Quelqu'un vous double, quelqu'un vous fait une queue de poisson, quelqu'un est effronté peut-être avec vous sur la route, et là, un gros mot sort. Essayez de le faire avec une action de grâce. Vous allez voir si c'est une pensée qui est conduite par Dieu ou si c'est une pensée qui est conduite par vous. Amen. Mais mes amis, il en va de notre salut. Amen. Il en va de notre salut. Et nous avons tous, sur ce chemin, à faire de l'effort. Nous avons tous, sur ce chemin, à travailler. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais vraiment vous encourager et vous exhorter à ne pas simplement sentir la présence de Dieu quand nous louons, quand nous adorons, mais vraiment marcher par l'Esprit. Amen. Si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Mais pour pouvoir marcher par l'Esprit, il en va aussi de nous-mêmes de commencer à passer du temps dans la présence de Dieu. Et que quand nous sommes dans cette présence,
avant de nous diriger dans tous nos raisonnements et dans toutes nos mentalités, à suivre des débats, des fois qui sont des débats sans fin. Dire, Seigneur, au lieu que je perde à droite, à gauche, perde mon temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Amen. 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 Peu importe tout le reste, si demain Jésus revient, celui qui est prêt partira avec lui. Amen. Vis chaque jour de ta vie comme si Jésus devait revenir aujourd'hui. Amen. Si Jésus doit revenir aujourd'hui, crois-moi, tu aurais toutes sortes de priorités, tu changerais tes priorités dans la vie. Amen. Oui, bien sûr, nous allons travailler, nous avons tous nos activités, mais malgré toutes ces activités, que nos actions, que nous allons faire tout au long de la journée, puissent glorifier Dieu et puissent montrer à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je t'attends encore. Amen. Aujourd'hui ma pensée t'attend encore. Aujourd'hui mon être tout entier soupire après toi, comme une terre aride et desséchée. Aujourd'hui, je crois que ta main est encore là à l'œuvre pour venir me soutenir dans toutes les choses que je vais faire parce que je veux être conduit par toi. Amen. Amen. Et si vous êtes à côté des gens qui essayent de vous amener dans un autre chemin, dis-lui, moi je ne peux pas manger de ce pain-là. Moi je ne peux pas suivre ce chemin parce que moi j'ai déjà le chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Lui-même m'a déjà tracé un chemin glorieux. Et c'est donc ce chemin que je vais marcher. Amen. Donc vraiment, j'aimerais, en cette soirée, vous encourager à ne pas vous laisser influencer parce qu'il peut en valoir de votre salut. Et vous savez, le jour où vous quittez cette terre et que vous n'avez pas pu faire les choses que Dieu a voulu et que vous êtes laissé influencer par une pensée démoniaque, peut-être quand vous quittez cette terre, vous pouvez avoir un choc terrible. Ne pas vous retrouver au ciel, mais vous retrouver en enfer, ça peut être un choc terrible pour des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'enfer, le diable sait déjà ce que c'est l'enfer pour lui, il s'attend. C'est pour ça qu'il essaie d'amener le plus de monde avec lui. Mais les êtres humains ne comprennent pas ce que c'est l'enfer. Et la Bible nous dit que l'enfer, ce sera un endroit terrible, un endroit de pleurs et de grincements de dents, un endroit de regrets éternels. Dans lequel une parole de Dieu résonnera trop tard. Amen. Trop tard. C'est ça qu'on appelle l'enfer. La Bible nous dit que l'enfer sera un feu dévorant. Et j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est un feu dévorant. Quand cette parole aujourd'hui nous parle sur terre, elle nous renouvelle, elle nous fortifie. C'est un feu dévorant. Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Mais l'enfer sera aussi le feu de Dieu, mais le feu du jugement, dans lequel sa voix retentira à travers tout l'enfer. Ils entendront la voix de Dieu, même s'ils ne veulent pas l'entendre sur terre. Ils l'entendront, mais ils entendront deux mots trop tard, en boucle. Et c'est ça qui va les faire hurler et grincer des dents, parce qu'ils vont voir qu'il n'y a pas de retour possible. Pas de retour possible. Amen. Souvent nous banalisons, ah Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela, et on banalise. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi les hommes ont voulu sortir des discours du 20e siècle. Un discours du 20e et du 21e siècle dans lequel on essaye de calmer toutes les personnes pour que toutes les personnes soient contentes. On leur baratine des paroles comme ça, sous prétexte que c'est la parole de Dieu. Les gens croient qu'ils sont contents, mais en fait on est en train de les mentir. Ils sont aveugles. Et la Bible nous dit que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Amen. Non, la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que tu ne sais pas quand ça sera et où ça sera. Mais une seule chose que Dieu attendra de toi, c'est quand tu le rencontreras,
Est-ce que tu as été prêt de tenir jusqu'au bout ce qu'il t'a demandé? Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, alors tu as compris vraiment ce que c'est la nouvelle naissance. Si tu n'as pas compris cela, tu es encore à côté de la plaque. Amen. Tu as encore besoin d'apprendre. Parce que tu n'as pas connu qui vraiment est Dieu. Amen. Oui, que des fois dans le chemin, on n'y arrive pas toujours. Oui, Dieu pardonnera. Dieu nous aidera. Mais si nous avons déjà une mauvaise référence de Dieu, qu'on imagine Dieu comme un vieux copain qui nous pardonne toujours et avec qui on peut faire tout ce qu'on veut, je vais te dire que tu n'auras jamais de respect de Dieu. Dieu n'est pas ni ton copain, ni quelqu'un avec qui tu peux jouer. Amen. Il est quelqu'un de vrai, et quand il dit quelque chose, il est là pour accomplir sa parole. Amen. Il a dit un moment à Moïse, « Oh, si ce peuple pourrait me craindre toujours comme ça, ça serait merveilleux. » Vous savez quand il a dit ça? Quand le peuple est parti en courant, en criant, et qu'il a dit à Moïse que Dieu ne nous parle plus, mais qu'il parle à toi. S'il continue à nous parler, on va mourir. Le peuple a dit ça. Et Dieu, quand il a entendu ça, il a dit, « Oh, si ce peuple pourrait me craindre toujours comme ça, ça serait merveilleux. » Ils avaient compris qu'avec Dieu, on ne jouait pas. Au début, ils voyaient Moïse, ils voyaient la mer rouge s'ouvrir, ils ont vu les plaies frapper le pharaon, ils ont dit, ah, Dieu est avec nous, c'est nous les peuples, les élus. On est les descendants d'Abraham. Dieu est avec nous. Maintenant, tout ce qu'on fait est conduit par Dieu. Dieu les a amenés au désert, au mont Sinaï. Il a dit, je vais vous montrer. Je ne vous donne pas tout de suite le pays promis. Je vous emmène d'abord dans le désert. Vous allez apprendre à m'adorer et vous allez apprendre que je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous faites, avec toutes vos pensées. Regardez, Moïse monte à peine sur la montagne, il faut un veau d'or. Il dit, Dieu est avec nous. Et ils disent bien, voilà les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, ô Israël. Tout ce que nous faisons, Dieu l'a créé. Quand Moïse est descendu, le jugement de Dieu est tombé, 3000 personnes sont décédées direct. Direct. Est-ce que vous suivez? Et là, le peuple a commencé à comprendre. Dieu a dit, amenez-moi au pied de la montagne, je vais descendre, je vais leur parler, je vais leur montrer qui je suis. Quand le peuple a vu, la nuit est descendue, Dieu a commencé à parler, la gloire est descendue, ils sont tous partis en courant, ils sont tous cachés. Ils ont dit, on ne pensait pas que Dieu était comme ça. Est-ce que vous suivez? On ne savait pas que Dieu était comme ça. Et aujourd'hui, dans le milieu christianisme, on nous a aussi créé un nouveau Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Vous savez, le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament, quand l'église primitive a commencé, il suffit que Ananias et Saphira viennent mentir aux apôtres. Ils sont tombés raides morts dans l'église. Raides morts dans l'église. À cause d'un mensonge. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est le même Dieu que nous servons. C'est la même grâce que nous servons. Seulement, aujourd'hui, on a essayé de nous inventer un nouveau Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de l'Évangile. Amen. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut comprendre la pensée de Dieu. Amen. On ne peut pas voir la gloire de Dieu sans sa pensée. Si on s'imagine un autre Dieu que celui qui est mentionné dans les Écritures, alors on ne peut pas voir sa gloire. On est seulement des plaisantins qui venons dire « on veut voir la gloire, on veut voir la gloire, on veut voir la gloire ». On a les pensées qui honorent Dieu. « Ah, aujourd'hui on peut faire ceci. Ah, aujourd'hui on a fait cela. Aujourd'hui on a manifesté pour ceci. Aujourd'hui on a fait plein de choses. » Mais toutes ces choses, rien de Dieu, rien de tout ça, Dieu n'était dans rien de tout ça. Vous imaginez? Dieu n'était dans rien de tout ça. Et après on s'étonne. Dieu m'a abandonné. Aujourd'hui je suis tellement triste. Aujourd'hui je suis tellement découragé. Aujourd'hui je suis tellement désespéré. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a oublié de reconnaître la pensée de Dieu. Si tu reconnais et tu connais la pensée de Dieu, alors la Bible nous dit que tu seras fort. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, ceux qui connaissent leur Dieu seront puissants. Amen. Ceux qui connaissent leur Dieu seront puissants.
Ceux qui connaissent leur Dieu, Dieu va les élever. Moïse n'avait besoin de faire aucune manifestation. Il était dans une prison, mais il priait. Seigneur, secoue le Pharaon et montre-lui que tu es Dieu. Et quand Moïse a été amené devant le Pharaon a dit la même chose que Nebuchadnezzar a dit à Daniel. Je reconnais que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Je reconnais que tu es armé d'une pensée de Dieu. Le Pharaon a dit carrément de Joseph, qui dans tout notre pays, de tous ces hommes qui sont levés avec des grandes sagesses, de tout même les religieux qu'il y avait dans notre nation, de tout même les gens qui venaient de toutes les contrées, qui ont peut-être prié le même Dieu que Joseph, qui ont peut-être manifesté devant moi pour demander ceci ou cela, qui a en lui autant d'intelligence que cet homme qui est là? Je ne peux que mettre cet homme en dessous juste moi. Est-ce que vous saisissez? Et là, tous les plans que Dieu a donné à Joseph, Joseph a commencé à les mettre en place dans la nation d'Égypte, dans la nation la plus idolâtre de l'époque. Voilà, nous avons le premier ministre qui est un oint de l'Éternel et qui amène toutes les lois de Dieu dans le sein de cette nation. Amen. Sans aucune manifestation. Mais parce que c'était un homme qui savait écouter sur la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et nous, des fois, on essaie de faire tellement de choses dépourvues de la pensée de Dieu. Et ces choses nous emmènent non seulement loin de Dieu, c'est des fois sous influence démoniaque. Et malheureusement, ça peut même nous emmener en enfer. Amen. Alors, la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et le Christ resplendira sur toi. Prions ensemble. Je veux vraiment te bénir et t'honorer, Seigneur. Père, je veux t'exalter pendant cette soirée. Et je te demande de secouer maintenant, de secouer la pensée et la conscience de ton peuple. Que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur le net. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu amènes ton peuple dans une nouvelle dimension. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux voir vraiment, pas des boucs, mais je veux voir vraiment des brebis. Je veux vraiment, Seigneur, que nous puissions être un peuple de brebis. Seigneur, si nous avons des mentalités de boucs, des pensées de boucs, des raisonnements de boucs, je viens m'opposer maintenant à toutes les pensées démoniaques, à toutes les pensées qui venaient amener ton peuple dans une voie d'égarement vers l'enfer. Tout démon maintenant, je m'oppose à vous maintenant. Et j'arrête votre processus dans la vie de mes frères et sœurs de l'Église, dans la vie de tous les internautes, dans la vie de tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. J'arrête votre processus maintenant. Je prends autorité maintenant sur vous. Et j'arrête tout votre processus. Que maintenant, tout ce qui était fondé dans vos pensées, tout ce qui était fondé sous une atmosphère démoniaque, je brise cela maintenant. Peut-être quand tu entends ces paroles dans tes pensées, tu commences à sentir quelque chose de comme un combat. Alors j'aimerais te dire que quand tu sens cette chose dans ta pensée, c'est que les influences démoniaques étaient là. Ils avaient déjà commencé à travailler. Mais maintenant, je renverse ces forteresses. J'abats maintenant ces forteresses. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Christ. Maintenant. 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 Et je vais compter maintenant jusqu'à 3. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je vais dire 3, les forteresses, les raisonnements démoniaques vont être ébranlés comme un château de sable. Maintenant dans ta vie. 1, 2, 3 maintenant. 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 Les forteresses sont en train de tomber. Je m'abats, j'abats maintenant, je détruis maintenant l'autorité de ces forteresses qui anéantissaient le peuple de Dieu.
qui l'empêchait de progresser dans la puissance, qui l'empêchait de progresser dans ta présence, qui l'empêchait de progresser dans ta puissance et dans ton autorité. J'abats maintenant ces forteresses et je déclare le royaume de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. Merci Seigneur pour ta grâce, que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous et nous raccompagnent dans nos demeures dans le nom de Jésus. Amen.